Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo vlog, diamond painting. Alors, j'ai fait un premier diamond painting que je vous ai fait en speed painting. J'avais fait juste en accéléré, etc. Je ne sais pas si finalement c'était un choix judicieux pour le format. Je vais faire un autre diamond painting, mais sous forme de vlog. Donc, je me filmerai, je vous ferai des updates en fait. Je ferai toujours des accélérés de mon diamond painting, mais je ferai un bilan à chaque fois que j'arrête. Par exemple, admettons qu'aujourd'hui je fasse une heure, ou d'une heure je vous en montre où j'en suis, etc. Et du coup, j'ai envie d'essayer ce format. Je sais pas si ça va vous plaire, mais qui ne tente rien n'a rien. Donc, vous me direz en commentaire si vous préférez sous forme de speed drawing, enfin de spin painting, parce que je dessine pas, c'est considéré comme de la peinture, ou si vous préférez un format vlog. À vous de me dire, je vous attends dans les commentaires pour savoir comment je fais pour les prochains diamond painting, parce que je m'en suis acheté plusieurs. Et donc celui d'aujourd'hui, alors, j'avais acheté en même temps que la vague de Kanagawa, que je vous ai montré en speed painting. Je reste uniquement sur le thème du Japon et des mangas. Voilà, donc ça annonce la couleur. On ne change pas l'équipe qui gagne, toujours le Japon et les mangas, hein. Après, j'aurais pu en faire sur le thème du sport, mais je vois pas ce que j'aurais pu faire comme motif, honnêtement. Mais je pense que il y en aura une bonne partie qui ira dans ma chambre et peut-être une petite partie qui ira dans ma salle de sport pour faire un peu de déco. Donc j'ai toujours ça pour mettre mes diamants dedans que j'avais récupéré des deux autres. Parce que j'en ai encore en fait un mais que je vous ai jamais montré. Voilà les diamond painting. Je vous annonce aussi la couleur, c'est un Anya. On reste sur Japon traditionnel, donc ça se présente comme ça. Mon fruit il est bien enroulé. Alors celui-ci c'est un petit, celui d'avant, la vague de Kanagawa, c'était du 40 x 50 cm, donc il était grand. Là c'est du 25 x 30 cm. Les petits, c'est un des plus petits qui existe. Les petits. Et pour le motif que j'ai choisi, ça suffira amplement parce qu'en fait, quand alors soit vous vous achetez des diamond painting déjà, des motifs déjà tout faits, soit vous pouvez faire des motifs personnalisés. Tous les sites de diamond painting font des motifs personnalisés. Donc du coup, moi j'ai choisi, alors je sais pas si vous verrez bien, là, je sais pas si vous voyez bien le motif, non vous voyez pas très bien. Donc, celui-ci, je me suis dit en 25 x 30, ça devrait suffire, pour le motif que c'est. Et je pense que c'est largement suffisant. Mais après, les autres que j'ai fait faire, j'ai fait que des motifs personnalisés sauf un, je les ai fait faire en plus grand. Parce que c'était des trucs plus détaillés, qui étaient quand même assez conséquents, qui méritaient d'être assez conséquents. Donc je l'ai fait plus grand, et celui-ci je crois que c'est le plus petit que j'ai choisi. Donc celui-là normalement, il devrait être rapide à faire. Donc voilà. Tac. Et là nous avons les diamants qui sont numérotés. Là on a le kit principal. On a une pince à épiler spéciale. On a un truc comme ça. J'ai l'embout pour mettre. Et puis, il y a un embout pour en mettre plusieurs à la fois. Celui-là, je n'utilise jamais. En général, je fais un par un. Alors, faut que tu te trouves comment on l'ouvre. Alors. Oh! Ça, c'est bien. Ça, c'est sympa. Ils nous ont mis de quoi l'accrocher au mur. Bon, c'est un autocollant tout simple, mais au moins, je peux l'accrocher au mur sans cadre avec ça. Là, on a la pince à épiler. Bon,
spécial. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est pointu, hein. C'est pointu, pointu. Là, on a l'embout. Donc là, vous pouvez en mettre un à la fois ou plusieurs. Mais alors là, par contre, celui-là, il est hardcore. Moi, en général, j'utilise que celui-là. Parce que ça prend autant de temps de les mettre un par un que de tous les aligner pour en mettre plusieurs à la fois, honnêtement. Après, ça, en général... ça, en général, je le garde pas parce que ça me gêne. Là, on a la cire pour pouvoir coller. Pour que mettre dans le pistolet, pour qu'on... Enfin, pas le pistolet. Le crayon pour pouvoir accrocher les diamants de painting et les coller. Là, j'ai toutes mes couleurs. Tous mes petits sachets. En tout, il y en a 29. Donc, en fait, si vous voulez... Là, vous avez tous les symboles correspondant à toutes les couleurs. Sur les sachets, c'est marqué, par exemple, par exemple, celui-ci, c'est marqué le numéro, c'est le numéro 24. Et sur le truc, c'est le 3810. Moi, ce que je fais en général, pour gagner du temps, je recolle un petit... Bon, ça prend un petit peu de temps à préparer, mais je prends des petits trucs comme ça, je mets le symbole dessus, je colle le symbole correspondant sur le sachet, comme ça, ça me fait gagner du temps. Donc du coup, déjà, pour commencer, je vais faire ça. Ça me prend un peu de temps. Mais au moins, ce sera fait et je serai tranquille. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai tout fait. Bon, finalement, ça m'a pas pris tant de temps que ça. Ça m'a pris 10 minutes, je crois. Donc, j'ai remis tous les symboles. Comme ça, ça m'évite d'avoir à chercher là-dessus. Donc, au moins, j'ai le symbole sur le truc. Je sais que ça correspond à celui-là. Vu l'heure qu'il est, il est 21h34. Je vais aller me coucher vers 10h, 10h15. Donc j'ai le temps de commencer. Donc on va commencer un petit peu et puis je vais voir ce que j'ai le temps de faire. Et puis je vous montrerai où j'en suis quand je vais arrêter. Et en attendant, je vais vous faire une timelapse. Alors voilà ce que j'ai fait en à peu près 25 minutes, juste un carré. Comme ça, ça ressemble pas à grand chose, mais une fois que j'aurai un peu plus avancé, ça ressemblera plus à quelque chose. Donc pour l'instant, j'ai fait l'équivalent de du coin là. Ah oui, là, j'ai fait l'équivalent de ce qu'il y a là, comme ça. Ouais, donc il reste encore tout ça à faire. Mais en vrai, je pense qu'il va être quand même assez rapide à faire. Parce que je vais vous dézoomer, vous allez voir.
Voilà ce que ça fait dézoomer. Donc voilà, vous avez à peu près une idée de ce que ça fait. Il y a encore pas mal à faire, mais il sera... En fait, les deux que j'ai fait avant, ils étaient super grands. Là, celui-là, il est beaucoup plus petit, donc... Je me dis, mais en fait, il va être beaucoup plus rapide à faire. Donc, ouais. Voilà. En vrai, ouais, il va pas être hyper long à faire. Ça va. En 25 minutes. Voilà. Donc, je vous remonte un peu plus près à quoi ça va ressembler. C'est un Anya. Il va être trop beau. J'ai trop hâte de le continuer. Bah, du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais me coucher. Donc, on fera la suite un prochain jour. Peut-être pas demain, mais après-demain. Et ben, du coup, je vous dis au jour suivant. Eh bien le bonjour, aujourd'hui nous sommes une nouvelle journée. J'ai pas touché à mon diamond painting depuis une semaine. Non, peut-être pas 10 jours. Une semaine je crois. Ça fait une semaine que j'ai pas touché. Et donc aujourd'hui on continue. Donc je pense que je vais faire ça pendant 1h20. Il est 20h39. À 22h j'arrive. Comme ça, après, je me couche à 22h, je lis un peu petit dodo. Donc, du coup, j'ai pas avancé. Donc, nous avions fait tout ça la dernière fois. Et du coup, on va continuer. Donc, ouais, il reste vraiment encore pas mal à faire. Mais je pense qu'on peut bien avancer ce soir quand même. Après, celui-là, il va être vite à finir, je pense, quand même. Celui-là, il peut se finir vite, je pense. C'est un des plus petits qui puisse exister. C'est un des plus petits que j'ai. Je pense que je peux le finir assez vite. Du coup, je vais vous montrer ça, je pense, sous forme de timelapse.
Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle journée. Ça fait depuis le début de la semaine. On est dimanche. Je crois que ça fait depuis lundi que j'ai pas fait. J'ai pas lundi ou mardi. J'ai pas touché mon diamond painting. Donc, j'avais fait bien un quart. Ouais, peut-être entre un quart et un cinquième. Je vais vous montrer. Voilà où j'en suis. Donc, on a fait ouais. Toute une bande. Donc il reste à peu près 4 cinquièmes à faire, je dirais. Non, ça fait à peu près ouais, ça fait un cinquième. Trois. Ouais, un quart ou un cinquième, je sais pas trop vous dire. Donc du coup, on a fait tout ça. Enfin, c'est pas encore énorme, hein. Mais du coup, je vais essayer d'avancer un max. Aujourd'hui, je vais me faire une grosse séance. Je vais essayer d'avancer un maximum. Surtout que ce matin, j'ai fait pas mal de sport. J'ai fait de la raquette en montagne. Du coup, je suis bien KO. Du coup, je pense que... Il est quoi là? Il est 4 heures. Je pense que je vais faire ça jusque 19h. Et je reprendrai après le repas du soir. Voilà. Donc, on part de là. Et bah, je vais vous faire une petite timelapse pour vous montrer le reste.
Eh bien, bonjour, nous sommes une nouvelle journée. J'ai bien avancé le Diamond Painting, je crois que j'ai fait à peu près la moitié. Un petit peu plus, mais ouais, quasiment la moitié. La dernière fois, j'ai fait tout ça. Et tout ça, que ce côté, cette bande-là, hein, ça vous, je l'avais déjà fait avant. Ça, plus ça, ça m'a pris 5h20. 5h20. Juste pour une bande. C'est long! Donc, je vais continuer encore aujourd'hui. Bonjour! Aujourd'hui, nous sommes le jour numéro 8. Donc, c'est plus de 8 jours que j'ai commencé, hein, mais c'est le jour numéro 8. J'en suis actuellement à 11h29. Juste pour les deux tiers. Il me reste un tiers à faire. J'ai fait ça en 11h30. C'est quand même beaucoup, je pensais que ça me mettrait moins de temps. C'est pas grave. On va continuer encore. Et par contre, une fois que j'aurai fini celui-là, le prochain, il sera immense. Il sera au moins 3 fois, peut-être 4 fois, ouais, 3 fois plus grand. Il fera peut-être 4 fois celui-là. Mais bon, bref. Là, déjà, je vais essayer de faire au moins ça aujourd'hui. Et on verra ce que ça donne. Du coup, voilà, mon Diamond Painting est enfin terminé. Donc, je vous mets le rendu final juste là en photo. En tout, ça m'aura pris 17 heures et 9 minutes pour le faire. Alors, c'est un des plus petits, mais je suis bien contente du rendu. Je trouve qu'il est beau. En plus, je suis contente parce que c'est un masque de Anya. Et vous savez que j'adore les yokai, que ça me passionne vraiment beaucoup. Et donc, ouais, 17h09, c'est beaucoup. Donc là, je vous ai fait sous forme d'un format vlog. Je vous aurai une version speed painting sans interruption, juste en accéléré de l'avancement du diamond painting. Donc c'est comme un speed drawing mais en speed painting, mais que du diamond painting en fait, pas un dessin. Donc comme ça vous aurez les deux versions pour ceux qui veulent voir juste tout en accéléré, parce que je vous ai pas mis toutes les étapes dans la vidéo, parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc j'ai coupé certaines séquences, donc je vous ai mis un sous forme, comme je viens de vous le dire, sous forme de vlog, pour ceux du coup qui veulent voir tout le procédé, bah, vous en aurez une version accélérée en bonus en vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que ça vous intéresse les diamond painting? N'hésitez pas à me le dire si vous aimez bien ce genre de vidéo, ou si je les fais maintenant que de mon côté, j'en fais plus des vidéos, parce que si ça vous intéresse pas, bah, c'est pas nécessaire, ça sert à rien.
Mais moi, les diamond painting que je fais, c'est uniquement sur le thème du Japon et des mangas. Déjà, vous êtes sûr que c'est ça? Moi, je. Y a rien d'autre qui m'intéresse. Il y a que le style Japon manga qui m'intéresse. Et j'en ai un. Il fait 60, 50 x 70 cm. C'est un samouraï. Il est immense. Je vais le mettre là, ici. Là où c'est blanc. Il est immense. Si vous voulez le voir en vidéo, dites-le moi. Je vous le ferai en vidéo. Mais lui, par contre, c'est un des plus gros. Je pense que je vais mettre 7 fois plus de temps que celui-là. Je vais mettre, au lieu de mettre 17 heures, je vais mettre au moins, je pense, bien 100 heures à le faire. Donc pour l'instant, j'ai pas encore trop commencé. Je fais une pause pour les diamond painting pour le moment. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous préférez sous forme de format vlog, comme celui-ci, ou si vous préférez celui d'avant, la vague de Kanagawa, où c'est uniquement en accéléré. Parce que je savais pas trop comment faire. Je me suis dit, le premier, je l'ai fait sous forme de speed painting. Je me suis dit, est-ce que finalement, bah, ça va pas les intéresser? Peut-être qu'ils vont préférer voir sous forme de vlog. Je sais pas ce que vous préférez. Il y a que vous qui pouvez me le dire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez pour les diamond painting. Et si vous en voulez en voir d'autres ou pas. Et du coup, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara !